Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un big haul. J'avais trop hâte de le tourner parce que il est genre énorme. J'ai des tas de trucs à vous montrer en matière fringues. Et 2-3 trucs un peu random, mais vous savez très bien que le maquillage, j'en montre jamais. Donc vous attendez pas à ce que je montre du maquillage hein. Et comme dans ma dernière vidéo, une journée en peau, j'avais fait un 2, j'avais oublié. Je vous avais demandé si vous voulez que je vous montre mes articles que j'avais commandé chez Romy, et vous avez été d'accord à la majorité, sauf que je me suis dit que en fait ça serait mieux que je fasse pas une vidéo exprès pour ça et que je l'inclue dans un haul normal comme celui-ci en fait. Donc en fait je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu Romy plus d'autres trucs que j'ai fait pendant les soldes, enfin que j'ai acheté pendant les soldes plutôt. Je vais commencer tout de suite parce que je me suis fixé le challenge de pas faire une vidéo de plus de 10 minutes ce qui va être très dur. Donc on va voir si je réussis le challenge et voilà, j'ai perdu du temps déjà, donc commençons. Tout d'abord chez Romy. Donc on commence par Romy, hein, c'est sûr. Alors voilà, j'ai reçu ce t-shirt blanc un peu loose vers la fin qui est super agréable à porter. La matière est un peu élastique, donc c'est vachement agréable. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous savez, Romy c'est un site où il y a des nouveautés tous les jours. Et où certains articles partent vite, etc. et qu'ils enlèvent du site en fait. Du coup, je ne resterai pas tout à retrouver, je pense, mais je vous mettrai tout ce que j'ai retrouvé en barre d'infos. Voilà, donc c'est vraiment très beau à porter dans une robe, etc. Dans une robe, dans une jupe plutôt. J'ai commandé beaucoup de shorts. Ce short-ci, qui est d'ailleurs ouvert parce que je l'ai porté hier. Voilà, donc ce short-ci qui est hyper canon, genre il est taille haute. Il rend vachement bien, je l'adore vraiment. Un peu vintage, tout, un peu destroy, tout ça, comme on les aime. Ensuite, encore un autre short qui est encore ouvert, on va savoir pourquoi. Je prends dans l'ordre où ça vient parce que c'est accumulé sur plusieurs mois, j'ai pas tout reçu d'un coup. Donc c'est pour ça que certains articles que je pourrais pas retrouver, etc. Alors voilà, un autre short taille haute un peu plus clair, un peu moins bleu-gris. Très très beau, il y a le genre il n'y a pas de braguette, c'est 4 boutons, d'ailleurs c'est chiant à enlever et à remettre, mais bon. C'est un peu vert fluo ici, j'ai trop aimé, surtout qu'il va super bien avec un t-shirt que j'ai reçu plus tard. Encore un short, cette fois-ci blanc, où la fin c'est genre, je sais pas comment dire, c'est des vagues en fait. Je l'aime vraiment beaucoup, ça fait super classe. Voilà, taille haute aussi, vraiment il rend super bien. Et il est vendu avec cette ceinture. Bon, c'est pas une ceinture de qualité, hein. Vous savez, c'est le genre de ceinture qui se plie bizarrement, bref. Mais bon, la ceinture, on peut toujours la changer. Encore un short, je suis désolée, hein, j'avais tout mis comme ça dans le sac. Encore ouvert, mais il saute de moi. Bah, c'est le short que je portais dans la vidéo Une journée dans la peau. Donc vous avez pu le voir porter, celui-ci, il est trop trop beau, je l'aime beaucoup. J'ai reçu ce bustier qui est certes un peu bizarre comme ça, mais vraiment porté, bien porté. Ça rend vachement bien, il taille très bien, j'avais peur qu'il soit trop grand, mais en fait non, il me va parfaitement, le S c'est parfait. Voilà, qui s'ouvre avec une fermeture devant et que je porte avec une jupe que je vous montrerai plus tard. J'ai reçu un t-shirt comme ça, vert un peu sapin, ouais, je dirais ça, gazon bizarre, enfin bref. Avec genre une tête de zèbre. Donc, j'ai retroussé les manches et que ma grand-mère a fait une petite couture pour que ça tienne. Parce que les manches étaient trop longues et puis je trouvais ça pas beau, du coup. Ouais. Je les ai un peu retroussées, voilà. Ça a rentré dans le short aussi, c'est trop cool. Un t-shirt que j'adore vraiment beaucoup. Parce que je suis à fond en jaune fluo, vous pouvez voir ma robe. Hein. Voilà, un t-shirt comme ça. Un peu grand parce que c'est une taille unique, mais c'est pas grave. Avec des t-shirts de strass sur le col, basique aussi, qui relève une tenue un peu sobre. Ensuite, ce chemisier que... Ah bah oui, vous avez vu aussi dans la vidéo avec Célia, plusieurs vidéos avec Célia, bref. Voilà, donc vous savez à quoi il ressemble porté, voilà, il est très joli aussi, très classe. Ensuite, ah bah ça aussi vous l'avez vu, en fait je vous ai montré déjà beaucoup de trucs. Hein. Dans la vidéo lookbook avec Hop c'est full, Céline, un pantalon bon, que je vais porter maintenant, hein, que je vais porter tout cet hiver. C'est genre des motifs un peu bizarres, steak marron, dans les tons marron, rouge, noir et bleu. Ma mère trouve que ça fait un peu couverture d'indien, allez savoir pourquoi.
Mais bon, il est cool, il est marrant. J'ai reçu un maillot avec des franges comme ça. Il y rend vraiment trop beau. Enfin, il y rend trop bien en fait. Aucune frange n'est tombée alors que je l'ai porté plusieurs fois. Ils disent qu'il est blanc sur le site, mais moi je le voyais un peu violet. Et en réalité, ouais, c'est vrai que selon la lumière, soit il est blanc, soit il est un peu violet, pâle, bizarre. Voilà, très beau. Et puis la culotte, elle est aussi un peu originale puisque c'est ouvert sur les côtés. Ici, voilà. Ensuite, robe, une manche. Je sais pas si ça dit, mais bon, vous avez compris. Qui est hyper longue, hyper longue. Et là, ils font des tailles XS, S, jusqu'à M, je crois. M, L, enfin bref. Et donc, moi, je l'ai prise en XS. Elle est un peu serrée au niveau d'ici. Mais j'ai bien fait de la prendre en XS puisque ici, ça tombe un peu. Et du coup, si j'ai pris S, on a vu tous les seins. Sachant qu'il y a des baleines, du coup ça évite de mettre un soutien-gorge, c'est très moche, sachant que voilà, il n'y a pas de manche ici. Il y a un petit détail tressé qui est vraiment magnifique. Ensuite, c'est ma seule déception dans un chirurgie, enfin des commandes que j'ai eues en fait. Il est encore ouvert, hein. C'est un short qui est ma foi très beau, qui me plaisait beaucoup. Sauf que... je sais plus ce qu'il y avait, il existait qu'en M je crois, enfin bref, j'avais pris en M en pensant que ça allait mis ma vie. Sauf que c'est énorme, genre je le mets normalement, il m'arrive ici, c'est hyper moche, puis au niveau des fesses, ça fait des fesses bizarres. Je demande dessus qu'il m'aille pas parce que je l'aimais beaucoup, et bon tant pis, je sais pas ce que je vais en faire. J'ai reçu une autre robe qui est un peu plus connue. Comme ça, elle est plus connue en noir, mais moi je l'ai prise en bleu parce que vous savez bien que j'ai une passion pour le bleu ciel, le bleu turquoise, tout ça. Les manches sont genre coupées en deux derrière, enfin ça se divise en deux plutôt. Et il y a un nœud, elle rend vraiment rien comme ça, mais portée, elle est très jolie. Ensuite, j'ai pris ce petit crop top Batman qui est ma foi très sympa, mais que j'arrive pas trop à porter puisque. Il est pas trop crop top en fait, il arrive là et du coup, je sais pas, avec la short ça fait un peu bizarre. Du coup je sais pas ce que je vais en faire, je sens le rentrer dans une jupe ou j'en sais rien. Mais voilà, il est super cool, super simple pour cet été. Et enfin, alléluia, j'ai reçu cette jupe hyper belle. Voilà, donc high-low, comme on les aime, hein. Rouge. Et que je porte justement avec, attendez je le retrouve, avec ça. Voilà, je mets la jupe au moins là. C'est compliqué. Hein. Voilà, je mets ça et la jupe ici. Et ça fait trop, trop, trop beau. Donc voilà, c'est tout. Enfin, c'est enfin fini, c'est tout. Je vais pas dire ça. C'est enfin fini pour Romwe. Je répète, je mettrai tout en lien, tous les liens en barre d'infos. Pour ceux que je retrouve, j'ai. Bon, là on repasse au magasin un peu normaux. Chez Besson Chaussures, il y a maintenant un petit moment quand même. J'ai pris cette paire-ci qui est trop trop jolie. Les paires de talons compensés. Parce que vous savez bien que les talons compensés l'été c'est plus sympa et puis même c'est pratique pour marcher. Elles sont super légères donc pareil pour marcher, c'est super agréable. Pas de pied lourd ou j'en sais rien. En vrai elles sont super simples. C'est juste des compensées bleu marine. Elles font pas des grands pieds. Et c'est ça que j'aime parce que moi j'aime pas mes pieds. Dans certaines chaussures je trouve que ça fait trop gros, trop grand, trop long. Je suis petite en plus du coup ça fait difforme. Et là ça fait des tout petits pieds trop mignons. Comme si je faisais du 36 en fait. Et j'aime trop trop trop. Ensuite je voulais montrer un truc dont je suis un peu fière. Je me suis acheté un livre grâce à Célia je veux dire. Parce qu'elle m'a donné envie de lire et tout. Sauf que moi je lis pas son truc genre tout ce qui est dragon, tout ça. Enfin, un peu fantastique tout ça et c'est pas trop mon truc à moi. Et en allant à la Fnac l'autre jour quand on est allé faire les soldes ensemble, j'avais repéré ce livre et je l'ai acheté plus tard. Donc il s'appelle Ma vie toute pourrie. Et c'est le genre de livre genre pas journal intime mais un peu, enfin je sais pas comment dire, c'est une fille qui raconte sa vie quoi. Et il est trop trop cool, je l'ai pas fini, on peut voir le petit marque-page. Derrière c'est comme ça, je vais pas raconter l'histoire mais voilà, c'est l'histoire d'une fille de 13 ans qui est en 4ème,
quatrième, troisième. Et il lui arrive que des merdes. Donc voilà. En plus, vous voyez, elle porte un leggings Galaxy. Donc quand je l'ai vu, je fais, oh, c'est obligé que je le prenne. Merde, j'ai perdu ma page. Donc si vous aimez ce genre de livre, un peu journal intime, tout ça. Comme vous savez, le journal de Rivière Flamme. Enfin moi, c'est le genre de livre que j'aime lire en fait. Qui est un peu drôle et tout, qui est sympa à lire sur la plage. Je vous le conseille parce qu'il est super cool. Et il m'a coûté 13€ et quelques à l'espace culturel du Leclerc. Parce qu'ils font des prix moins chers. Alors qu'à la base, ils le vendent 14,50€. Donc petite économie d'un euro. Ensuite, j'ai reçu du site Dresslink. Qui est un site de vêtements qui vient de Chine en fait. Si vous savez, genre de site comme Salindress, tout ça. C'est tellement un truc que vous pouvez pas choisir. Mais finalement, j'ai réussi à faire mon choix et tout ce que j'ai reçu me plaît. Sauf que la qualité, c'est pas trop ça. C'est vraiment pas de la bonne qualité. Je pense pas que ça va tenir très longtemps. Je vais commencer par la plus grosse pièce. Voilà, j'ai reçu ce sac qui est tout mignon et qui est rouge. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une envie de sac rouge. Et quand j'ai eu cette occasion de pouvoir en avoir un, ben, j'ai sauté dessus. Sachant que ce sac, je l'avais vu plusieurs fois et puis il me portait bien, il me trouvait super sympa. Il s'ouvre comme ça en fait, mais il y a une fermeture éclair et ça c'est très bien. Super petit comme ça, mais on peut rentrer pas mal de choses, sachant qu'il y a plusieurs poches. Il y en a même une derrière, mais qui ne me sert à rien, ça me dit que j'ai plutôt rentré dedans. Je suis très contente. Pareil, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai reçu du même site cette robe noire qui est hyper belle. Vraiment je l'aime beaucoup, elle est un peu longue mais taille haute c'est parfait. Elle est un peu plissée, vous savez, le genre de jupe un peu basique, élastique à la taille. Et comme c'était une tiny, j'avais peur que c'est trop grand, mais comme c'est les chinoises, vous savez que chinoises sont petites, du coup les tailles uniques là-bas, si vous êtes petite comme moi, vous pouvez être sûre que ça vous va puisque c'est des tailles uniques version chinoise. Bref, je pars pour rien dire comme d'habitude. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que je l'avais commandé en deux coloris seulement. La deuxième était en rupture de stock. C'est une sorte de violet prune magnifique. J'aurais trop aimé la recevoir. Mais, rupture de stock, ils m'ont prévenu un peu tard puisque le jour où ils m'ont prévenu, ils m'ont expédié le collier. Du coup, j'avais pas le temps de choisir un autre coloris ou quoi. J'ai reçu un t-shirt, genre, waouh, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, oh, il est trop beau. Il y a un truc qui a pété là. Enfin, voilà à quoi il ressemble. Il est trop beau. Et c'est avec ce t-shirt que j'aime porter le short de chez Ramouille, vous savez, qui les rappelle vert. Voilà, je trouve que les deux ensemble sont trop beaux puisque c'est le même vert en fait. J'ai posté une vidéo sur Instagram, une photo. Enfin, je vais me dire les vidéos, maintenant on peut en poster sur Instagram, mais bon. Non, j'avais posté une photo sur Instagram avec les deux assemblés. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Déborah sa table et il est toujours en barre info. Donc un t-shirt comme ça avec genre les finitions, c'est un peu pareil que le short blanc de chez Rami. Pareil sur la fin, etc. Par contre il a une matière un peu bizarre, genre c'est pas élastique du tout, c'est presque pas maillot de bain, mais je saurais pas décrire cette matière. Voilà, si vous transpirez, le truc qui vous colle à la peau, c'est dégueu. Mais il est très beau. Ah oui, sur ce site ils font des vêtements pour enfants. Donc j'ai pu en faire profiter ma sœur. Voici la robe qu'elle a choisie. Donc toute mignonne, elle est trop mignonne. Ceinture élastique, et un petit nœud et des petits strass. Et puis la robe rose, évidemment, avec des petits pois blancs. Vraiment trop choupinette. Voilà, elle était très contente de sa petite robe. Et puis comme je suis une grande sœur modèle, tu vois, elle voulait un petit sac et donc j'ai dit oui. Elle s'est choisi ce petit sac qui est ma foi très joli. C'est une sorte de mini cartable en fait. Voilà comment c'est à l'intérieur. Du coup elle a rempli, il y a ses affaires. Et puis il y a des petites attaches pour accrocher la bandoulière qui est fournie à l'intérieur. Mais je sais pas pourquoi elle la met pas. À mon avis parce que le sac est un peu gros par rapport à sa petite taille. Sachant que c'est un sac pour femmes en fait. Donc elle préfère le porter à la main. Et voilà, très mignon. Et on est très contente aussi. Alors ensuite on repasse aux affaires pour moi. C'est genre une veste fluide. Ouais, un peu transparente. Je sais pas si on le voit. Et il y a des revers vert fluo. Et ça j'ai trop aimé. Voilà.
J'ai trouvé ça trop beau. Elle est un peu longue, mais justement, voilà, ça fait cool, ça fait simple. C'était une taille unique aussi. J'ai reçu ce petit t-shirt très beau. Alors là, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Avec voilà, enfin, des manches un peu pas courtes, ni trois quarts, c'est entre les deux. Et par contre, il est super court. Hein, parce que pareil, c'est une taille unique. Mais bon, ce genre de truc, je le porte plutôt avec des robes. Enfin, ah, je sais pas, je dis robes. Non, des jupes. Et ce que j'ai aimé, c'était le col. Les sortes de vagues, pareil. On voit un peu le cou et ça fait super beau. C'était super féminin. J'ai beaucoup aimé et tellement que je l'ai trouvé beau. Il existait en trois coloris. Bon, j'ai pu en prendre que deux. Je l'ai pris en jaune moutarde. J'ai reçu cette veste blanche. Voilà. Je pensais qu'elle était plus courte. Mais en fait, elle est un peu longue. Il y a des petites épaulettes ici. Pour voilà, plus centrer le truc. Même si elle n'est pas courte comme je le voulais, pour la mi-saison, elle va être super cool. C'est une sorte de perfecto. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Blanc. J'ai reçu un collier rouge comme ça, pour que j'ai pris exprès pour sortir avec mon sac. Voilà, donc ça sur un t-shirt blanc, ça fait super sympa. Et enfin, du site Dresslink, j'ai reçu cette barrette en pince comme ça. Je vous montrerai portée parce que c'est une grosse barrette quand même. Sauf que je l'ai reçue, elle était cassée. Voilà, j'ai ce petit bout là qui était normalement ici. Mais bon, un point de colle et je pense que ça ira. Et voilà, ça y est, c'est tout pour Dresslink. Et puis là, je vais finir sur les articles soldes, vraiment. Parce que tout ce que je vais montrer, c'est pas des soldes en fait. Hein. Des soldes que j'ai faites en vrai, en fait, pas sur internet. Dans un magasin qui s'appelle Grain Maïs. Donc soit on connaît, soit on connaît pas. Hein. Et d'habitude, c'est pas trop mon style. C'est un peu genre plus pour les femmes matures, genre de 40 ans, etc. Ma mère a voulu y faire un tour. Et comme c'était les soldes, voilà, j'ai un peu regardé. Et je suis tombée sur cette petite veste. Hyper sympa. Cette fois-ci, elle est courte et j'aime beaucoup. Manche 3 quarts cette fois. Et voilà, il restait un 34 et un 36. J'ai pu essayer les deux tailles. Et j'ai finalement pris la taille 36. J'étais super contente, voilà, elle est trop belle. Et au lieu de 50 euros, elle a coûté 20 euros. J'étais trop contente. Et puis pareil pour l'automne, le printemps, etc. Même l'hiver si je me couvre bien. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais elle est blanche avec des... genre de fil orange fluo. Et c'est ça que j'ai aimé. Hein. Et chez Grain Maïs, ah, faut que je dise, j'ai trouvé mon sac de cours pour la première. Et j'en suis trop contente parce que je suis tombée dessus par hasard. Et d'habitude, je galère pour trouver un sac de cours. Et là, j'ai eu coup de cœur direct. Par contre, il n'était pas soldé, il coûtait. Mais il coûtait pas cher. Hein. Sauf que je vais pas le montrer parce que je suis trop méchante. Je préfère garder le suspense jusqu'à la vidéo sûrement que je vais faire à la rentrée. Il est super grand, enfin vous verrez bien à la vidéo quand je le montrerai. Mais ah, trop beau. Ensuite, je suis passée chez CA, donc tout ça c'est pas le même jour. Hein. J'ai trouvé cette petite jupe en solde, super mignonne, j'aime beaucoup. Que je porte avec le t-shirt jaune fluo de chez Romwe, avec vous savez les breloques ici. Ça fait trop beau, vraiment j'aime beaucoup, c'est trop joli. Voilà, elle est blanche avec plein de motifs un peu, je sais pas, graffiti bizarre. Et c'est du jaune, du bleu, du rose, tout ça. Elle est super fraîche, j'aime vraiment beaucoup. Et en plus elle est un peu high low, légèrement, voilà, vous pouvez voir. Et au lieu de 20 euros, elle a coûté 6 euros, moins 50. Et ils avaient rajouté moins 20%. À la deuxième des marques, du coup voilà, la revenue à rien du tout. Et ensuite, hier je suis allée en ville avec Chloé et on a fait les soldes aussi. Là-bas à la FNAC, j'ai trouvé mon agenda, mais pareil, je vous montrerai dans la vidéo de la rentrée que je ferai. Ensuite, on est passé à Saga et à Saga, j'ai pris ce petit assortiment de bouteilles, vous savez, pour le voyage. Ça me tentait bien, j'étais. Ah, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'en ai eu plusieurs fois, je me disais, c'est vrai que c'est pratique, etc. Et puis là, quand je les ai vues toutes colorées, n'importe quoi, toutes colorées, voilà, j'ai trop craqué. Et puis en plus, 3 euros pour ça, j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Ce sera super pratique, ça évitera d'apporter la grosse bioderma, vous savez, hyper grosse là. Et enfin, dernier article! C'est Mango cette fois, parce que Mango, vraiment, ils font des soldes de fou. Genre, tout le magasin est presque tout soldé. Enfin, tout
tout cas dans le mien, genre un petit espace de la nouvelle collection et puis tout le reste c'est soldé, tout. En plus ils ont eu la bonne idée de tout trier en fonction du type de vêtements, genre t'as toutes les robes d'un côté, toutes les jupes d'un autre. Enfin je pense que vous savez hein. Et je suis tombée sur ce petit t-shirt. Ah, ce petit. Il est quand même super long. Parce que c'est un taille M et il restait pas de S. Mais bon, je le trouve tellement doux. Voilà, il est blanc tout simple. Et juste ça, les sortes de perles de breloques qui sont devant, ça fait comme un collier, c'est vraiment trop beau. Voilà, ça rentrer dans une jupe, ça fait. C'est. Oh, comme il est un peu loose, sachant que c'est une taille de plus que ma taille normale. Enfin, porter avec un jean. Désolé, ça me gratte. Ouais, porter avec un jean et ça fait super beau. Il y a plein de tenues différentes à faire avec ce t-shirt. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et au lieu de. Attendez, je réfléchisse parce qu'il n'y a plus d'étiquette. Du coup, au lieu de. Je crois 25 euros. Non, au lieu de 30 euros, voilà. Au lieu de 30 euros, il m'a coûté moitié prix, c'est-à-dire 15 euros. Voilà, je l'aurais pas acheté à 30 euros, ça c'est sûr. Par rapport au site de Wrestling, nouvelle livraison. Voilà, enfin, ça a mis une semaine après exposition. Avec le. Je sais plus comment ça s'appelle, l'ensemble FedEx. Enfin, vous connaissez sûrement. Du coup, c'est au bout d'une semaine, je l'ai reçu. C'est un monsieur qui est venu chez moi et qui m'a apporté le colis. Pas de problème. J'ai tout reçu en temps et en heure. Du coup, ben tout allait bien. Si vous souhaitez commander sur ce site, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Voilà, faites-y un tour. Ça vaut toujours le coup. Hein, ça ne coûte rien de toute manière. Pareil pour le site Romwe d'ailleurs. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que le haul n'aura pas trop long et que après montage, elle ne durera pas plus de 10 minutes. Qui à mon avis est un challenge raté. Hein. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées parce que moi je ne sais pas trop. Même si j'ai plein d'idées en tête, je veux pas les faire parce que justement c'est des vidéos trop demandées. Et j'aime bien garder du suspense, faire ça, voilà, par surprise, etc. Donnez-moi d'autres idées de vidéos en attendant. Et c'est tout ce que je vous demande en fait. Merci de vous abonner sur ma chaîne. On est plus de 21 000, bientôt 22 000. Et waouh, je vous aime trop, vous m'apportez tellement de bonheur et voilà, j'ai trop chaud maintenant. Allez, gros bisous et à la prochaine. Bye bye.